J'ai 40 minutes de tournage, par contre, c'est pas vraiment beaucoup. Faut qu'on ouvre les boîtes en moins de 40 minutes. Hey, salut Délice! J'espère que vous allez bien, en tout cas, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. J'ai jamais fait ce genre de contenu là. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux il y a quelques temps, on a acheté 20 Inbox 2019 pour faire du réassort pour la Monster Reborn Corporation, les stocks juste derrière moi. On s'était dit que ça serait cool de faire une vidéo d'ouverture et je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux. Vous étiez 80% à trouver ça cool. Donc, bon, on va faire une vidéo d'ouverture de tout ça. Alors, faut pas se cacher, on va pas se mentir, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai aucune idée du rendu global que ça va avoir. On va essayer de découper ça en plusieurs parties. Une partie où on ouvre quelques boosters, une partie un peu de time lapse avec plusieurs angles, plusieurs plans, et surtout je pense que c'est la partie la plus intéressante de ce genre d'ouverture. C'est une sorte de récapitulatif de ben, on a ouvert 20 boîtes, on a eu 3 Nibiru, 4 Noble Sword, on verra bien ce qu'on aura. Franchement, j'espère avoir plus que 3 Nibiru en 20 boîtes, mais bon, on verra ça. J'ai aucune idée de ce que ça rendra. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Et puis, ben, on va speed, on va commencer cette vidéo rapidement. Donc, si cette vidéo te plaît, le meilleur pouce, l'abonnement, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Et dis-moi, voilà, si tu veux qu'on refasse ce genre de contenu, encore une fois, je sais pas du tout vers quoi on se dirige. Autant d'habitude, j'ai l'habitude de faire mes contenus. Et là, c'est vraiment un nouveau contenu. Donc, on verra bien. Vous voyez pas tout de suite, mais il y a des box partout devant moi. Et puis, ben, écoutez, c'est parti. On s'ouvre ces boîtes, let's go. Ok, bon allez, on s'ouvre quelques petits boosters pour commencer. Après, je mets la timelapse. Donc clairement, on va skip les communes. Hein. Les communes, on affiche un petit peu. Trap réseau, sorcière cyber. C'est le petit Chucky qui fait plaisir derrière Succession de l'héritage du monde. Très bonne carte. Et on repasse aux communes. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les nightmares. Vraiment, les nightmares, c'est des bonnes cartes. C'est des cartes qu'on a envie de faire tomber pour le stock. Et après, bah, globalement, tout ce qui brille, on verra bien ce qu'il en a. Nos fusions de dragon de tonnerre, c'est cool. Le petit danger homme-chien, appelé par la tombe A1, malheureusement. Mais bon, dans cette rareté, elle est vraiment cool. Donc, pour ceux qui se posent la question, toutes ces cartes, absolument toutes les cartes, seront disponibles sur le card market d'ici quelques temps. Donc, le temps qu'on trie les stocks, qu'on mette en vente, etc. La petite Twitch. La petite livre-pierre lutincation, le Trisbinéa qui est vraiment très joli. Et derrière, on a un petit faucon dragon. Et d'ailleurs, on a un, vous le voyez juste ici, léger misprint sur le faucon. C'est dommage pour des boosters neufs, mais bon, c'est pas très grave non plus. Ça enlève rien à la jouabilité de la carte. Hop. Tac, trappe de réseau, le petit Hertz qui fait plaisir. Derrière, on a combine de pièges, très très bonne carte. Et héritage du calice, carte qui est prisée pour les decks infernobles. Donc, c'est plutôt une bonne sortie. J'ouvre encore un petit booster, j'ouvrirai 2-3 packs promo. Et puis, on passera à une timelapse d'ouverture globale de ces 20 boîtes consécutives. Observatoire Céleste, Bella, Madonna, Farstar, le petit Titan. Et derrière, on a Ayate, qui est vraiment très belle en ses raretés. Je la préfère en Ultimate, mais elle est quand même très très belle. Je vais ouvrir quelques petits boosters promo. Alors, j'en ai pris un paquet, mais je pense pas que je vais tout ouvrir. Souhaitez-moi des Nibiru en vrai. Nibiru, du Darkcrawler No More. Et c'est un Nibiru qui commence. Honnêtement, ça fait plaisir. Ce genre de booster-là, ça fait plus d'un an que j'en ai pas ouvert du coup. Et les Inbox de 2019, donc l'année dernière tout simplement. Et franchement, hop, Migrateur. Alors je ne cache pas que Migrateur, c'est vraiment la carte qu'on n'a pas forcément envie de faire tomber. Mais en soi, ça reste quand même une bonne carte. C'est utile dans pas mal de decks en ce moment. Donc c'est toujours cool. Le petit Nibiru 2 sur 3, franchement, c'est... Ah, et le petit Monster Reborn. Regardez comme il est beau. Franchement, ça fait plaisir. Allez, un petit dernier et on passe... On passe au timelapse pour que vous puissiez kiffer tout ça. Si c'est un Nibiru, tout va bien. Mais non, c'est un migrateur, tant pis pour moi. Ok, bah allez, c'est parti, on passe au timelapse.
Bon, on va se faire un petit récap des cartes promo. Donc, on a eu 7 Nibiru en 20 boîtes. C'est quand même pas négligeable. On a eu 7 Darkcrawler No More. Donc, c'est plutôt cool puisque c'est vraiment les cartes de promo qu'on voulait avoir. On a eu quelques Sliffer. Ah, lui, il est passé à la trappe. Il est pas au bon endroit. Des fusions ultimes alternatives. Des Obelisk. On a eu quand même pas mal de mana également. Mana qui tombe pas mal, hein, mine de rien. Elle vient juste ici. Ça, j'étais assez surpris parce qu'au final, on n'en a pas eu tant que ça. Des rats non plus, ils tombent pas énormément non plus par rapport aux autres. On a eu 6 migrateurs dimensionnels. Les petits magiciens du chaos sombre, Max. Les petits Exodia. Exodia, si vous ne connaissez pas cette carte-là, je vous invite à lire l'effet, mettre sur pause, lire l'effet. Franchement, un jour, peut-être qu'elle sera méta. Des néoplanaires qui malheureusement servent pas à grand chose, et là c'est la partie un peu cool. On a des Regiki à gogo, clairement, regardez ça, c'est pas trop beau. Et on termine avec des Monster Reborn juste incroyable. Ça, c'était pour les cartes promo. Ok, donc concernant les prismatiques rares, le reste de la boîte, on a eu 2 lumières de Seca, on a eu 3-4 appelés par la tombe. Alors je les découvre encore une fois un petit peu en même temps que vous, puisque certains n'ont pas été ouverts par moi. 3 sirènes, on a eu pas mal de multifakers de mémoire, 3 multifakers, une Ray. Une Shizuku, 2, 3 Ayate, une Kagari. Franchement, c'est vrai qu'elle brille quand même beaucoup. On a eu des Foxy, on a eu des Chaleurs Léo qui brillent beaucoup également. Un seul World Legacy Succession, et c'est celui que j'ai ouvert avec vous en début de vidéo. Un seul Héritage également. On a eu 3 Rugidragons, 4 Rugidragons. Pour les joueurs Thunder, vous allez être contents, il y aura du stock sur le CM. 3 Faucons Dragons, 3 Ténèbres Dragons. Bah putain, il est pratiquement complet le Dead Thunder. Pas mal de Danger, des Hommes Papillons. Des Chupas, on a eu une seule intervention équipe de danger, un Morgan, deux dragons fusolaires, pardon. Des Maximus, on en a eu 2 également. Des Magnus, on en a eu 3. Des Equimax, on en a eu 3. Après, on a eu un Zerniton, je sais jamais comment ça se dit. Des Tamions, dragons de fer. Puis après, on finit avec un Red Reboot. On a eu un seul, mais bon, ça tombe bien, il est limité à un seul. Et puis 2 Ziggur et un petit jusqu'au retour des armes nobles. Et on termine avec les Ultras, donc 2 Zibli, des Geodragons, on en a eu 2 également, des Bits, on en a eu 2 également. Pour ce qui est du Croisédia, on a eu 2 Réclusia, on a eu quand même pas mal de Danger, donc 2 Chugi, on a eu plusieurs Pancras, 2 Pancras, une seule Frontline, on a eu 2 Nessie, on a eu 3 Oiseaux du Tonnerre. On a eu 2 Bigfoot dans ce lot-là, 2 hommes chiens, on a eu playset de Engage, on a eu playset de Ancre, héros des abysses, on s'en fout un petit peu, combine de pièges, on en a eu quand même pas mal, mine de rien, c'est une ultra, c'est une carte qui est quand même très très fort. On a eu 2 colosses, 3 titans, donc pour les joueurs Thunder, encore une fois, c'est une bonne nouvelle, des aspirantes vampires, j'allais dire le nom en anglais, donc j'ai bafouillé, désolé, un petit Reproducus, toujours une bonne carte également, on a eu pas mal de Nightmare, on a eu 4 Phoenix, très très bonne carte dans la méta aujourd'hui, restera très bonne carte pendant très longtemps, Cerber, chevalier du cauchemar, on en a eu 3, on a eu 2 licornes, on a eu donc 2 licornes, c'est une très bonne chose, hein, mine de rien. On a eu 4 Griffons, 3 Trisbanea et pour finir, un seul Borel Sword. Pour ceux qui me suivent depuis le plus longtemps, vous savez que je suis maudit sur les Borel Sword. J'en ai jamais fait tomber un seul en opening. Là, c'était le cas. Mais bon, 1 sur 20, c'est quand même pas un ratio incroyable. Mais voilà, cette vidéo est terminée. Franchement, l'ouverture était pas trop mal. Elle était pas incroyable. On a eu quand même pas mal de choses. Un seul Borel Sword, c'est un peu dommage. Mais bon, on a eu 2 Phoenix, 2 Bigfoot. Voilà, on a eu des cartes quand même plutôt sympas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, franchement, c'est un test. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est fait pour ça. Je m'excuse pour l'éclairage, le son, c'est vrai qu'on n'est pas dans le décor habituel, donc forcément c'est moins bien. Mais bon, promis, un jour je vous ferai un tour room de juste tout ce qu'il y a derrière moi et puis des locaux tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, votre meilleur pouce, votre abonnement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sur ce, je vous embête pas plus, prenez soin de vous, faites nombre duel et collection de cartes, et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao!